Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. What you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. بدأت بسم الله والحمد شاكرا وداعيا المولى القريب وذاكرا هو الرب المنعم المجيب لمن دعا ونعماه لا تحصى نرى الجود غامرا وأشهد أن الله فرد وعز لا شريك له حاشاه بل لا مناظرا أصلي على الهادي الشفيع محمد كذا الآل والأصحاب كانوا منائرا أيها الأحبة أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le sujet que les frères nous ont proposé d'aborder ensemble dans cet échange que l'on espère fructueux et fraternel est celui de l'islam et la modernité. Ces deux mots qui aujourd'hui semblent antagonistes, aux antipodes l'un de l'autre, alors qu'en fait, quand on regarde bien ce que c'est que l'islam, avec la compréhension authentique de l'islam, comme c'est le slogan de ce chapiteau, eh bien on s'aperçoit ou on s'apercevrait qu'il s'agit là plus d'un pléonasme que d'autre chose. C'est-à-dire que l'islam, quand on regarde ses origines, il n'est que modernité. Et il perd son âme quand cette notion de modernité est perdue. Quand on s'attache à des choses datant de temps immémoriaux, on cesse, n'est-ce pas, d'être dans l'esprit de l'islam. Qui dit modernité dit nouveauté. Sauf que, de même que qui dit modernité dit nouveauté, qui dit islam également dit changement. Et ce, sur beaucoup de niveaux. Et on essaiera, Inch'Allah, vaille que vaille, de traiter d'un ensemble de choses dans lesquelles on voit cet appel à la modernité, on voit également cette nécessité de toujours se renouveler, cette nécessité de toujours s'adapter au temps dans lequel on se trouve. Quand vous regardez l'esprit même du Coran, vous vous apercevez que le Coran a commencé par 5 versets qui, quand on s'arrête en surface, appellent simplement à la notion de lecture, à la notion de récitation. Sauf que, comme je le disais à des frères récemment, les termes utilisés dans ces versets-là sont des termes qui font appel à cette notion de renouveau perpétuel, donc à cette notion de modernité qui doit être celle de l'islam à tout moment et en tout lieu. Quand Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Iqra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout le monde connaît l'histoire, dit Ma ana biqari. Que vais-je lire? Que vais-je réciter alors que je ne sais pas lire? Je ne sais point lire. Je ne sais point réciter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril le secoue une deuxième, une troisième fois. Et là, il lui dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Récite, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et quand vous suivez ces 5 versets, vous arrivez à l'avant-dernier où Dieu dit,
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis, récite au nom de ton Seigneur qui a appris par le stylo. C'est-à-dire qui a appris par cet élément justement par lequel eh bien, la notion de modernité va être instaurée définitivement. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, voyez-vous, en écrivant, ce qui était d'hier devient de nouveau moderne. Ce qui était d'hier devient de nouveau vivable. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que Dieu dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans plus d'un verset, notamment celui-ci, وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Tout ce dont on te parle au sujet des histoires et des anecdotes et des récits des messagers, eh bien, sert à fortifier ta foi, à la revigorer, à la requinquer. Pourquoi ? Eh bien, justement, parce que cette notion de nouveauté doit nécessairement être le leitmotiv de l'islam. Donc, quand Dieu dit اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Il a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Comme pour nous dire, chers frères et sœurs, que de fait, quand on devient musulman, ou quand on est musulman, on se doit justement de s'inscrire dans cette logique, de s'inscrire dans cette lignée d'interrogation perpétuelle et de chercher tout le temps à se mettre à la page, entre guillemets, raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant imbu de ce message, eh bien, il ne va jamais stagner. Jamais il n'a stagné. Aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan personnel. Tant et si bien qu'il a été jusqu'à dire, à faire un doigt, que tout musulman se devrait le faire. La barakallahu fi yawmin lam azdad fihi ilma. Que Dieu n'accorde pas la baraka à une journée dans laquelle je me serai réveillé et que j'aurai fini sans que j'ai appris quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que je gagne, je me transforme, je ne dois pas rester, n'est-ce pas, une pierre fixée quelque part. Et le problème que les musulmans, nous avons aujourd'hui, c'est justement que nous pensons que l'islam appelle à quelque chose, j'ai envie de dire, de fixe, de figé. On doit rester, n'est-ce pas, à l'image d'un temps qui a existé, l'âge d'or de l'islam, diraient certains, en s'habillant comme ces gens-là, en mangeant comme eux, alors que ce n'est pas cela qui est justement ce qui est recherché. Ils ont vécu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont vécu, toujours dans le souci d'aller de l'avant, tant sur le plan personnel que sur le plan collectif. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrive à Médine. La nation musulmane s'installe. Les compagnons lui ont dit à Rasulallah, les courriers que nous recevons de l'extérieur sont toujours signés. Sur le prophète sallam, il ne signait pas les courriers. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas dans les habitudes des Arabes d'antan. Sauf que s'il recevait, il était devenu une personnalité internationale qui s'adressait à des dignitaires d'horizon et d'origine divers. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? On lui a dit, mais en fait, il faut que tu signes tes courriers. Et c'est là qu'on a été lui fabriquer une bague avec laquelle il signait ses courriers. Pourquoi l'a-t-il fait ? On pourrait demander à des gens aujourd'hui, pourquoi le prophète sallam a-t-il accepté une proposition qui n'est pas venue de lui, mais plutôt de ses compagnons? Pourquoi s'est-il soumis à cet exercice? Parce qu'il fallait qu'il vive avec son temps, avec les exigences nouvelles qu'il ne connaissait pas quand il était à la Mecque. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme est venue lui dire, « Ya Rasulallah, ô toi messager de Dieu, j'ai un fils qui est menuisier.
Et si je proposais, si je demandais à mon enfant, à mon fils, de te fabriquer une espèce d'estrade, à partir de quoi tu t'adresserais au compagnon? Pourquoi? Le nombre des compagnons, on n'est plus à l'islam de la maison de Al-Arqam ibn Al-Arqam. On n'est plus dans cet enclos, dans ce vase clos dans lequel l'islam a commencé, parce que confiné, parce que combattu par les... Mais quoi? On est à un autre stade, donc il faut utiliser, n'est-ce pas, les outils s'adaptant à la de pair avec, allant de pair, pardon, avec le temps dans lequel le prophète sallam se trouvait. Alors la femme lui dit, Ya Rasulallah, moi j'ai mon fils, il peut te fabriquer cela. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Il a demandé donc à la femme d'aller voir son fils qui lui fabrique l'estrade. Et tout le monde connaît l'histoire de Zizra, le tronc d'arbre qui s'est mis à pleurer parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait abandonné et qu'il ne faisait pas khutbah à partir de lui. Il y a là la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ta'amala ma'a waqi'ihi. Il s'est adapté au temps qui était le sien, qui n'a de cesse de changer. Ce qui était vrai hier ne l'est pas forcément aujourd'hui. Et voyez-vous, la grandeur de l'esprit du livre coranique repose sur le fait que jamais il ne sera démodé. C'est-à-dire que quel que soit l'œil avec lequel on regarde le Coran, eh bien, il sera toujours d'actualité. Ce qui se passe, c'est que nous, nos yeux deviennent vieux, alors que lui, il demande qu'à être vu avec des yeux qui se renouvellent tout le temps. Raison pour laquelle Abdullah ibn Abbas sallallahu alayhi wa sallam disait "Inna fil Qur'an ayatin." Il se trouve dans le Coran des versets "La yufassiruha illa az-zaman." Que seul le temps peut aider à comprendre. J'aime souvent prendre comme référence ce verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit La shamsu yambaghi laha an tudrika al-qamara wa al-laylu sabiqu an-nahari wa kullun fi falakin yasbahun. Billahi alaykum. Est-ce que le bédouin perdu dans le désert mécois ou médinois pouvait comprendre ce verset avec le même regard que nous qui sommes en 2014? Est-ce que c'est logique que nous qui sommes en 2014, nous veuillons regarder ce verset avec les yeux de ceux qui ont vécu au moment où il a été révélé? Est-ce que ce n'est pas faire preuve de folie? Est-ce que ce n'est pas faire preuve de schizophrénie? Est-ce que ce n'est pas se lancer dans une schizophrénie que de dire, bah tiens, il faut que je comprenne ce verset comme il a été compris par des gens qui n'avaient pas de satellite? Par des gens qui n'avaient... Voyez-vous, on prend l'avion, la terre tourne, et pourtant, on arrive à un point. Est-ce que ces réalités-là, Abu Lahab, il les avait? Ou pour ne pas caricaturer seulement sur Abu Lahab, même les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils les avaient? Abadan. Au contraire, ceux-ci ont compris cette nécessité de modification. D'où la notion de qira'a. La lecture, la récitation, c'est pas seulement ce qui est écrit. La lecture, ce n'est pas seulement quelque chose qui est écrit, mais on peut lire à travers l'actualité. On peut lire à travers ce qui nous entoure. Ce à quoi Dieu appelle d'ailleurs dans le Coran, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Pourquoi? Parce qu'il y a deux livres, disent les savants. Le kitab al-manshour ou le kitab al-mastour. Vous avez le livre écrit, Mabayna Daffatayn, le Coran. Au fil kitab al-manshour, il y a le livre ouvert. C'est quoi? Al-kawn, l'univers. Afalay anzuruma ila ibil kayfa khuliqat. Pourquoi ne regarde-t-il pas comment le chameau est créé? Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at. En fait, en se regardant nous-mêmes, en regardant ce qui nous entoure, il nous est demandé de faire une lecture. Et cette lecture-là, mes chers frères et sœurs, eh bien, les moyens avec lesquels je la fais aujourd'hui doivent nécessairement différer de ceux avec lesquels je les lirai demain. Il y a 100 ans, on ne parlait pas de ce qu'on appelle la tectonique des plaques et de la dérive des continents d'Alfred Wegener.
Mais on en parle maintenant. On parlait tout à l'heure dans le pavillon d'à côté de cette notion justement de calculer la vision de la lune avec les hisab, el falaki, qui est aujourd'hui un peu plus pointu. Non, on te dit l'air, comme dirait le monsieur, mat kurijinish. Il faut que je reste à l'ancienne. Pourquoi? C'est-à-dire que je dois rester, regarder la notion de comprendre la notion de Ruya avec les mêmes yeux qu'il y a 4-15 siècles. Et on s'étonne après que nous devenions la risée des autres. Il y a une différence entre garder un esprit et garder un carcan. L'islam nous demande non pas de nous attacher à un carcan, mais plutôt à un esprit. L'esprit d'Iqra, c'est cet esprit qui appelle à la modernité. Donc, quand on parle de cette notion-là, Wallahi, islam et modernité, c'est un pléonasme. C'est une tautologie, une répétition. Pourquoi? Parce que qui dit islam, dit obligatoirement, eh bien quoi? Le renouvellement perpétuel, à l'intérieur de soi. Tajdid et nafs, tous les jours, je dois me renouveler, je dois me poser des questions pour aller de l'avant. La communauté également, elle a besoin d'être renouvelée. Et comment cela peut-il se faire? À travers les outils qui sont les nôtres, qui diffèrent de ceux dont ceux qui ont vécu avant nous disposaient. Si on ne part pas avec cette idée-là, eh bien, vous savez ce qui va se passer? Eh bien, on va se scléroser. Et il n'y a rien de plus dangereux que cela. On va se figer. Et l'imam Shafi'i a fait un poème entier, Shafi'i, dans son diwan, que moi j'intitule « L'appellation au voyage, au mouvement ». Il est dit « Ma fil maqami li dhi rahmi li dhi aqlin wa dhi hasabin min rahatin fada'il awtana wa khtaribi ». Il n'y a aucune forme de bonheur pour quelqu'un d'intelligent à rester au même endroit. Fada'il awtana wa khtaribi, change. Bouge-toi. J'ai vu que quand l'eau, dit-il, quand l'eau stagne, eh bien elle devient mauvaise. Si elle coule, elle se débarrasse des saletés qu'elle contient. Mais si au contraire elle stagne, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien, garde ces saletés-là. Et si le lion ne quittait pas la terre dans laquelle il était né, jamais il ne deviendrait féroce. Et l'arc, si la flèche ne le quitte pas, jamais celle-ci n'atteindra sa cible. Comment ça? Comment vais-je pouvoir atteindre une cible alors que j'ai une flèche que je n'ai pas tirée? Et il continue. L'or, à l'état de nature, c'est de la terre. Et l'encens, dans sa place originelle, eh bien, l'encens, c'est un morceau de bois. Si le soleil restait stagné au ciel, il ne bougeait pas. Si le soleil restait au même endroit, wallah, les gens finiraient par se dire « Oh, je suis fatigué. » On ne le calculerait pas. Alors il dit « Celui-ci est parti en voyage et il est aussi demandé. Oh, voilà. » Et celui-là est parti et il est devenu aussi cher que l'or. Donc l'islam, quand il est compris dans son essence, dans l'esprit qui est le sien, il n'est que modernité. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cela à ses compagnons, cette notion de renouveau. Seigneur, et c'est un doua que nous devons faire tout le temps. Seigneur, augmente ma science. Seigneur, transforme-moi. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muhawil al-ahwal, hawil hali ila ahsani hal. Tout ça, c'est des doua qui sont du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Transforme mon état, change mon état, de là où je suis, vers un état encore meilleur.
Se contenter d'une chose, ce n'est pas faire preuve d'islamité. C'est au contraire faire preuve d'autre chose. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le Coran, et le Coran nous l'a dit d'ailleurs, et qu'il a appelé les gens à réfléchir pour changer leur situation, ils ont dit quoi? Et Dieu vous le dit dans le Coran, « Inna wajadana aba'ana hakadha yaf'alou » Nous avons trouvé nos ancêtres ainsi agir. Ça me rappelle un livre d'un écrivain malien, je crois, qui s'appelait Seydou Badian, qui avait écrit un livre intitulé « Sous l'orage ». Et il y avait un passage assez beau où il y avait ce qu'il a intitulé « Le conflit des générations », justement. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous présente une famille à l'ancienne qui avait, n'est-ce pas, une fille, la plus jeune, qui a été envoyée à l'école parce que la grande était un peu comme ce qu'étaient les Vestales ici, c'est une sorte de gardienne du feu, hein, vous voyez le peu d'importance qu'on accordait à la femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Celle-ci qui allait à l'école a été promise à une personne qui avait trois fois son âge. Alors, le texte commence là. Les échanges commencent. Sa grande sœur, la gardienne du mythe et du foyer, dit à sa sœur, écoute, tu dois te marier avec cet homme. Sa sœur, la petite sœur qui a été à l'école, de lui dire, mais il est plus vieux que moi. Et sa sœur de lui dire, mais oui, mais depuis que le monde est monde, les mariages se font ainsi. Voilà l'expression de l'écrivain. Et elle de lui répondre, eh bien si c'est comme cela, eh bien c'est que depuis que le monde est monde, les mariages se font mal. Parce que je ne vais pas me marier avec quelqu'un qui a 3-4 fois mon âge. Et figurez-vous que cette réalité-là existait également chez les Arabes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ La jeune femme qui était, la fille qui était enterrée parce qu'elle était considérée comme une honte. وَإِذَا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ Il se cachait et il se posait des questions. Et le Coran dit أَلَا سَاءَ مَا كَانُوا يَحْكُمُونَ Ce n'est pas logique, il n'y a rien de pire, dit le Coran, que ce à quoi ces gens-là appellent. Donc le Coran est venu pour mettre fin à cela, donc à la notion de modernité. Chers frères et sœurs, regardez un peu comment le prophète sallam a éduqué les compagnons. À sa mort, les futuhat vont commencer, les conquêtes. Quand au temps de Omar ibn Khattab, l'Irak a été conquis, qu'est-ce qui se passe? Il y découvre notamment dans la ville de Basra que ben, il y avait des grandes routes. Mais à Médine, il y avait seulement des petites routes, des ruelles. Et il décide de faire quoi? D'agrandir les routes. Islam et modernité. Quand les compagnons du vivant du prophète sallam, ils étaient à la Mecque, ils ne buvaient pas dans des verres en verre. Parce que ça n'existait pas chez eux. Quand ils arrivent à Médine, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils trouvent qu'à Médine, on boit dans des verres en verre. Ils se sont tous mis à boire dans des verres en verre. Ils se sont dit, mais lèche. Parce qu'on ne connaissait pas ça là-bas. Ils se sont dit, ah non, 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 on n'a jamais. Il y a des hadiths qui disent justement, est-ce que le Prophète sallam a utilisé un autre verre que un verre en verre, on ne sait pas. Mais les compagnons, ils l'ont fait. Lorsque le prophète sallam éduque ses compagnons dans cet esprit-là, wallah, ils ont été les plus grands initiateurs des grands projets du monde. Regardez Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, que va-t-il faire? Regardez Mu'ad ibn Abi Sufyan, à un moment où ces services-là n'existaient nulle part au monde. Eh bien, ils vont installer des services d'ordre. Ils vont installer une armée payée, professionnalisée. Ils vont installer des mukhabarat, des renseignements généraux. Mais cela existait au temps du prophète sallam, ça n'existait pas. Mais les temps qui étaient les leurs ont toujours fait l'objet de leur part de quoi? D'adaptation. Maintenant, il y a des choses nouvelles. Eh bien, comment vais-je, à partir de l'esprit du texte, qui est celui de l'appel au renouvellement perpétuel, pouvoir m'adapter à ce temps? Qu'est-ce
qu'est-ce que je dois y trouver de bon? Comment vais-je moi me comporter? Mais non, et non se dire, ah non, mais finalement, mon père, il faisait comme cela. Et l'islam, justement, nous interdit cela. Le Prophète sallam nous dit, à la fin des temps, la prière se fera par héritage. Parce que j'ai vu mon père faire, je fais. On jeûnera par héritage. C'est pas ce que l'islam veut, mes frères et sœurs. L'islam veut justement que nous soyons tout le temps à l'initiative de choses. Ce que tu fais, il faut que tu en sois convaincu. Il ne faut pas que tu le fasses parce que tu l'as hérité. Pourquoi? Parce que chacun de nous est responsable. Chacun de nous aura à répondre de ses faits et gestes. Je n'aurai pas à répondre des vôtres comme vous n'aurez pas à répondre des miens. Et à partir de là, on arrête d'être suiviste. On arrête de suivre aveuglément les gens. Pourquoi? Parce que suivre aveuglément les gens, c'est être ce que le Prophète sallam a appelé imma. Tu es quelqu'un de béni oui. Oh, les gens sont partis à droite, je pars à droite. Ils partent à gauche, je pars à gauche. Abadan. Le Coran nous dit wa ittaba'u alladhina tabi'u min alladhina tabi'u. Rappelle-leur, lorsque ceux qui ont été suivis vont se dédouaner de ceux qui les ont suivis. Nous ne vous avons rien demandé. Shaitan lui-même viendra dire la talumuni wa lumu anfusakum. Moi, je n'ai fait qu'appeler. C'est pas moi qui vous ai. Je ne vous ai pas mis le couteau sous la gorge. Je ne vous ai pas dit, il vous est obligatoire de me suivre. Ah ben, j'ai juste proposé. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a seulement proposé. قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Vous êtes libre d'agir. Et à partir de là, on doit justement comprendre qu'il est demandé de chacun de nous de tout le temps se remettre en cause, de ne jamais prendre pour argent comptant ce qu'on lui a présenté. Et c'est pour cette raison que l'imam al-Ghazali, ayant compris cette réalité-là, dans al-Mustasfa, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous dit el fatwa tataghayyar bi taghayyur az-zaman wal makan wal ahwal wal ashkhas. La décision, la vie juridique varie selon les personnes, le temps, l'état de la personne, mais également le lieu. Ce qui était vrai à un moment donné cesse de l'être. Pourquoi? Parce que les raisons qui y poussaient, eh bien, ont cessé d'exister. والعلة كما هو معلوم في الأصول تدور مع الحكم وجودا وعدما. Comme c'est connu en juris, en principologie, au sens le fait que la cause, eh bien, elle est intimement liée, consubstantiellement liée à la norme, étant présente ou absente. Si la cause n'est pas là, ben la norme tombe. Et si elle est là, eh bien la norme sera d'actualité. Donc, mes frères et sœurs, cet effort de modernité-là, eh bien, nous devons le faire aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif. Nous ne devons pas être la risée des autres, frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait tout le temps, quand on venait lui dire, par exemple, que les munafiqoun ont dit, le prophète savait. Et Dieu vous le dit dans le Coran. Wallahu ya'lamu innahum la munafiqun. Dieu sait que c'est des hypocrites. Lakin rahma dhalik, malgré cela, est-ce qu'il a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation de les cibler et de les liquider? Abadan. Mais regardez ce qu'il donnait comme raison, comme justification du fait de ne pas s'en prendre à ces gens-là qui constituaient une menace de l'intérieur. Il disait la taf'alu, ne le faites pas, hatta la yuqala anna Muhammadan yaqtulu ashab. Pour pas que l'on dise que Mohammed tue ses compagnons. Il devait penser à l'image de marque qui était la sienne aux yeux des autres. Lorsque Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu rentre, et le hadith est dans le Bukhari et Muslim et ailleurs, dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il trouve deux femmes en train de tambouriner, il s'étonne et se fâche. Amez amiru shaytani fi bayti rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les flûtes sataniques peuvent se trouver dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Regardez la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis à Abu Bakr, mahlan, laisse-les tambouriner et chanter. Pourquoi?
Il y a beaucoup de versions du hadith. Il y a une version qui dit hatta ya'lam al-yahoud, pour que les juifs sachent anna lana a'yadan, que nous avons des fêtes. Est-ce que cette image de marque, nous y pensons parce que nous sommes, nous, en tant que musulmans, désignés par le Coran comme étant les témoins. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Est-ce que nous sommes conscients de cela? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné en tant que communauté la responsabilité de servir de locomotive au restant du monde. Nous devons, nous, donner le la, comme diraient les jeunes, dans les domaines du progrès, aussi bien scientifique, social, politique et tout ce que vous voulez, pour que justement les autres nous suivent. Pourquoi? Parce qu'on dit en arabe « Wasatul jabali a'la », le milieu de la montagne, c'est le sommet. Et bien, où, à partir d'où vais-je pouvoir regarder? Puisqu'on nous a dit « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ». On nous a dit, nous, vous êtes la communauté du milieu. Il est où le milieu? Ce qu'on dit, la communauté du milieu, c'est rester à 10 sur 20. La communauté du milieu, c'est d'être à 20, parce que c'est à partir de 20 que tu vas pouvoir regarder ceux qui sont en dessous de toi. Mais si tu es à 10, eh bien tu n'es pas au milieu, mon grand. Tu es à l'autre bout de la chaîne. Donc quand tu te déshabilles de tes responsabilités pour laisser à d'autres penser à ta place, il ne faut pas que tu te tais, que cela se moque de toi. Et j'ai envie de dire cette bonne guerre, mes frères et sœurs. La vie, elle est ainsi faite. Dieu dit, tu as été enfant hier, aujourd'hui tu es père, demain tu seras grand-père et après demain tu cesseras d'exister. Donc cette notion de changement, elle est intimement liée à la vie de l'homme. Vouloir stagner, mes frères, c'est tout simplement aller à l'encontre de la création divine. Frères et sœurs, cette notion-là, on y appelle, parce que souvent on dit, oui mais modernité c'est quoi? Modernité ce n'est pas se renier, modernité ce n'est pas aller prendre les valeurs des autres, non. C'est au contraire être à la tête des forces de proposition. C'est au contraire proposer des choses nouvelles que les autres n'ont pas faites. Al-Imam al-Qurtubi fi tazkira dit, Allah subhanahu wa ta'ala a un de ses qualificatifs qui est badir, el-badir. C'est-à-dire celui qui crée, celui qui innove. Il dit, il est du devoir de chaque musulman de s'habiller des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment de celle-ci, el-badir. Propose quelque chose. La takun mustahlikan, ne sois pas un consommateur. Abdi'a, innove dans le bon sens du terme. Qu'est-ce que tu vas pouvoir communiquer? Chacun de nous est investi d'une mission, celle de faire en sorte que personnellement il se développe, et également celle de faire en sorte que sa communauté, et quand je dis communauté, il y a deux sous-entendus. Vous avez la communauté musulmane, mais vous avez également la communauté humaine. Parce que nous sommes tous terriens, frères et sœurs, il est demandé de chacun de nous de contribuer à l'amélioration du sort des terriens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de la meilleure des personnes ou des personnalités musulmanes, il n'a pas dit celui ou celle qui fait le plus de prières. Mais il a dit, au contraire, « Khayrun nasi, le meilleur des hommes, anfa'hum linnas, est le plus utile aux hommes. » Tu es mustahlik, tu sers à quoi? Demain tu vas mourir, comme on dit dans l'expression, tu vas mourir telle une souris. « Mada tarakt ?» Tu as laissé quoi? « Mada aqtarakt ?» Qu'est-ce que tu as proposé? Demain, quand tu vas te trouver devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il va te poser des questions sur justement ta vie, hayatak, mada sana'ta biha, t'en as fait quoi? Non, j'étais devant la télé, je zappais. J'étais au foot. Je mangeais tout simplement entre copains. Abadan, ce n'est pas ce qui est demandé du musulman. Le musulman doit avoir le sens de la responsabilité des autres. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, من لم يهتم بأمور المؤمنين فليس منهم.
celui dont la vie des musulmans, des croyants comme lui, ne le préoccupe pas, c'est qu'il n'en fait pas partie. Alors on peut se dire, mais est-ce que ce hadith-là veut dire qu'on devient kafir? Abadan. C'est pas le sens qui est voulu là. C'est que si tu n'es pas soucieux du devenir de tes co-religionnaires, de tes concitoyens comme les terriens que nous sommes, eh bien c'est qu'en fait, tu ne te soucies que de ta propre personne. Or, comme dit le proverbe, ce que tu ne défends pas par les larmes, tu ne défendras pas par les armes. Il faut que tu aies en tête l'idée que cela, je dois me sacrifier pour eux. Les autres que moi, ils font passer les autres quand bien même ils sont dans le besoin. Cet esprit-là appelle, mes frères et sœurs, à la modernité. C'est sous cet angle-là que la modernité en islam est à comprendre. Et c'est sous cet angle-là, frères et sœurs, que qui dit islam dit modernité. Je dois vous laisser la parole parce que peut-être qu'il y a des questions et c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on pourrait passer des heures et des heures à en parler, si ce n'est des jours, voire des années. Ja'alallahu wa iyyakum min alladhina istama'u al-qawla fattabi'una ahsana. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان شاء الله you'll find your way ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله you'll find your way every time One more mistake, you feel you can't repent, that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind, and your heart is full of shame. But don't despair and never lose.